Quel rabidou! Ça a été toute une bataille pour finir troisième. Tu étais bon à l'intérieur comme à l'extérieur. Fallait tout essayer pour dépasser ce soir avec une piste collante comme celle-là. Oui, la piste était vraiment très belle. Le Tom Grimpé a fait un beau travers ce soir. Les deux gros étaient rapides. Ma voiture n'était pas parfaite. J'avais des ajustements un petit peu trop tard pour les conditions de piste. Fait qu'on a fait avec. Puis, malgré tout, troisième, on est satisfait. Également, la jaune a pu aider en dernier, grâce malheureusement, ou plutôt le rouge en tout dernier, à progresser ainsi. Oui, mais en fait, on était déjà troisième quand le rouge est arrivé. Gino a réussi à nous passer. Donc on s'est battu un peu avec lui. On a perdu du terrain avec les deux premiers. Fait qu'on a été chercher une troisième quand même satisfaisante. Et ça va t'aider. Je sais que les points, tu ne les regardes pas, mais simplement que tu étais égal avant ce soir avec Alain Boisvert. Tu finis devant, ça t'aide dans le classement. Honnêtement, comme je disais, les points, c'est pas ce qui me préoccupe vraiment. On revient à chaque semaine gagner des courses, puis à la fin de l'année, on regardera ce qu'on est dans les points. Du côté de ton gars, ça va super bien en J-Kart la semaine prochaine. Je vais être du côté de J-Kart pour la première fois. Dis-moi, t'es satisfait de sa saison à lui? Oui, 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 ouais, vraiment très bien. On vient à Granby, on va à Cornwall aussi. On était à Canham, on se promène un petit peu. Il y a pas mal de victoires cette année, puis... Je pense que bientôt, on va pouvoir accrocher mon casque et aller avec mon garçon. Bonne chance à vous deux. Merci.